dites-leur quelle est notre devise. Aucune mission n'est trop dure. Aucun sacrifice n'est trop grand. Soldats, avec moi! Après un Modern Warfare 3 qui m'a laissé un certain goût amer, j'avais envie de me replonger sur une vraie campagne de Call of. Hey, c'est Mir de Gamevillain, j'espère que vous allez bien. Call of Duty, WW2, cette campagne est ultra épique, tous les niveaux sont ouf, ça pète dans tous les sens. Ok, c'est court, mais t'en prends plein la gueule, c'est efficace, et c'est tout ce qu'on demande aux campagnes solo de Call of Duty. Mon ancienne version film était en 1080p, là vous allez voir le gap graphique avec du 4K à 60fps tout à fond. J'ai aussi utilisé un reshade graphique pour améliorer la netteté et certains éclairages, évidemment sans dénaturer l'œuvre originale, et tout ça avec un gameplay plus complet et mieux maîtrisé. J'adorerais me replonger dans cette histoire et j'espère que ce sera réciproque. Je vais aussi vous proposer d'autres nouvelles versions films de Call of Duty, et oui, c'est pas fini, je pense que certains le méritent. Allez, fini la parole, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous. Bienvenue chez les Bloody First. T'es loin de chez toi et t'es pas prêt de rentrer. Avec une grande férocité, la machine de guerre d'Hitler a lancé son attaque contre l'Europe de l'Ouest, qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée, mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. C'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. La tente occupe la moitié de la bataille. Et là, il me demande ma montre et moi, je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre, celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là, je me... Je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé, mais personne ne le laisse paraître. J'ai détesté Zussman la première semaine, mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Stiles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent, sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il voit plus rien. Aiello est vétéran, mais honnêtement, Mans le traiterait de vrai pecno. Ok. Et si on pimentait le truc ?
Saint-Michel, le saint patron des soldats. Il couvre mes arrières depuis Catherine. Zussman, trois fois en 10 secondes, et il est tout à toi. Je sais pas. Oh, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussman. D'accord. Ça marche. Oh, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. On se fait plumer. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. Je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Oh! Briefing à 18h, on est en retard! Je couvre nos arrières, Daniels. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. On se croit spécial, hein? Les boches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Sussman. En marche! Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. C'est tout bon, Daniels. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach, Johnson, avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Heureusement, le lieutenant Turner surveille Pearson. Il le tient bien en laisse. Et si Pearson est lâché, on se fera tous mordre. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. C'est maintenant ou jamais. Hé hey, je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Va falloir que t'attendes qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout. Souvenez-vous, vous enterrez pas sur la plage. Vous devez avancer. Restez baissés et dispersez-vous. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Je suis fier d'aller au combat avec vous. En toutes circonstances et partout. Allez, ça va être leur fête, les gars. Les plages ont bien été pilonnées, hein? Tu as peur, soldat? Non, monsieur. Tu devrais. Daniel, tu peux? Bien sûr. Baissez-vous tous! Putain de merde!
décoller. Allez, tenez-vous prêts. C'est parti. Laissez la rampe. On a un des ouverts. C'était un ordre, nom de Dieu. La rampe. Daniels, souviens-toi de ton entraînement. Ramasse-moi ce pétard. Tu peux le faire. Oui, chef. Oh mon Dieu. On y est presque. Ça va exploser. Allez, préparez. On y va. Avancez. Dans la tranchée, vite. Tiens, utilise ça. Merci, l'ami. Ok, c'est parti. Signale l'assaut de l'artillerie. Et nettoyez ces bunkers, allez! Baissez-vous! Restez-vous! Il y a bien une fine formation! T'inquiète, je suis! Schweine! Avant! Les Boches sont retranchées! Daniels! Lance une grenade dans ce bunker! Grenade lancée! J'envoie une grenade!
Allez, Zussman, encore un. On va y arriver. Mes jambes! Oh merde! Sors-moi d'ici, putain! On va te sortir de là, reste avec moi! On doit rejoindre ce PRB! On doit se mettre à couvert! Tirer d'affaire! Viens! C'est ça que t'appelles être tiré d'affaire! Je perds beaucoup de sang! Accroche-toi! Baisse la tête! Tu l'as eu? Il en sort de partout! Attention! Il a son compte, on continue! On peut pas rester là! Je suis là! Putain! On peut descendre par là! Je suis là! Morphine. Tu dois t'accrocher. Il y a toutes ces Parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai? Mais bien sûr. Je peux rejeter un œil à ta chérie. Tu te fous de moi? Non, c'est pas grave. Je vois que dalle. Je vais me reposer un peu ici. Non, 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 tu dois pas t'endormir. Hé ! Daniel ! Je suis là. Aide-moi. Bordel, qu'on fasse venir un infirmier ! Je m'occupe de lui, vas-y ! Il le soignera. J'ai besoin de toi, Daniels. Écoutez, il y a un canon GPF dans une ferme près de la route. Il bombarde la plage. En route! On viendra te chercher. Vérifiez vos munitions et vos grenades. J'ai compris. Direction la route. Attention, Daniels! Le canon est le long de cette route. Tenez-vous prêts à attaquer dès qu'on arrivera à la ferme. Allez, dépêchez-vous! Il cible la plage d'obus!
Daniels. Allez les gars, rendez-vous au point de ralliement. Daniels. Bordel, je pensais avoir tout vu. Il va s'en tirer. Ouais. Ils l'ont plutôt bien rafistolé. On n'aurait pas dû venir. Bah, fallait le dire avant. Hé, hey, tu m'as sauvé la vie. Je t'en dois une. Disons qu'on est quitte. On ira jusqu'au bout. À la vie ? À la mort. Tête de pont établie. On bivouaquera à la deuxième haie après la crête. Bienvenue au casse-pipe. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gamin? Aucun de nous n'était préparé. Mais t'as vraiment assuré. Merci. Tout ira bien, fiston. Merci. Oui, monsieur. Tout ira bien. Cela fait 7 semaines depuis le jour J. Nous quittons la Normandie pour aller plus dans les terres et sécuriser Marigny. Ainsi, nous contrôlerons les routes et nous pourrons traverser la France pour rejoindre Paris. La libération approche. Moi et les copains, disons qu'on s'en sort plutôt bien. Même si c'est jamais assez pour personne. Mais ça, on est habitué. Peut-être que je reviendrai à la maison à Noël avec deux jolies médailles autour du cou. Et avant ça, il faut qu'on prenne Marigny. Schmeling contre la Motta. Je pense que Schmeling aurait mis la Motta KO. Impossible. Et Schmeling, c'est un nazi. Je le buterai sans hésiter. Les nazis sont servis de lui pour leur propagande, il n'a pas eu le choix. On a toujours le choix. Nietzsche disait que seulement... Toi, on t'a pas sonné, d'accord? Et si je te dis Louis contre Sugar Ray Robinson? Si c'est le Louis de 1938, alors Robinson gagne haut la main. Hey. Regardez un peu qui voilà. Tu devais pas revenir la semaine prochaine? Si, mais j'ai appris qu'une bande d'incapables allait prendre Marigny sans moi. Tout roule comme sur des roulettes. On pourrait même être chez nous à Noël. Bon, bah allez, montre-nous. D'accord. Pas mal, hein? Waouh. Ouais, j'ai vu pire. Content de te revoir, soldat. Moi aussi, chef. Très bien, les gars. On a un coup en or à jouer cette fois. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Les taillis sont bien défendus et on a eu vent de plusieurs blindés allemands dans la zone. Mais si on parvient à prendre et à sécuriser Marigny, les routes sont à nous. Et si Zussmann peut revenir malgré une telle balafre, c'est que la chance doit être de notre côté. Faut toujours parier sur les vainqueurs. Pour Turner, nous protéger est une vocation. On y va! Mais la guerre aime mettre des bâtons dans les roues. Très bien, première section.
sécuriser la ville. Il ne restera rien. Hey. Une blessure pareille, mais 8 semaines à guérir. Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. J'en ai rien à foutre de ta parole. Bien remis, hein. Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Le char démarre! Accrochez-vous, les gars! Ça va secouer! Même toujours, non? Je pense que Pearson t'a à la bonne! Ouais, comme un lion m'aurait à la bonne. Allez! Allez! Eh ben, on dirait que tu tiens le coup! Et toi, ça va? J'allais pas vous laisser vous marrer seul! Oh, pas de danger avec Pearson! Tu sais pourquoi il t'a dans le nez? La passe de Catherine! J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais, et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué les durs à cuire, ses hommes y sont restés. Mission a foiré, un vrai massacre. Les nazis ont pas fait de quartier. On a survécu uniquement parce qu'ils ont pas bouclé l'ouest de la passe. J'ai vraiment failli y rester à cause de ce sale connard. Turner l'a pas digéré. En fait, c'est lui qui a rédigé un rapport. Et Pearson se dit que s'il fait de vous une section modèle, ça effacera tout. C'est pour ça qu'il nous étrille. Eh ouais, ça y est, tu piges. Voilà pourquoi il renoncera pas. Il tuerait pour rattraper le coup. Vous savez pourquoi je tuerais, moi? De la vraie bouffe. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe, ça compte pas. Eh, on se fait un petit barbecue? Vous avez aucune chance. Les obsèques se feront à cercueil fermé. Eh, c'était un être humain. Non, c'était un boche. Daniel, ça a raison. Il y en a des biens. On peut citer Kepler, Mozart... C'est bon, Einstein. Marlène Dietrich. Ah, ça me parle plus. Sans oublier les inventions comme la presse à imprimer, le microscope, les saucisses. Vous abusez, les gars. Vous entendez? Ils se dirigent vers nous. Stuka, on approche. Merde. Allô, dégagez. Éloignez-vous de la route! On fera une boucle! Allez! On doit protéger nos Sherman! Je vois des tirs de DCA là-bas! Prenons l'un de ces canons pour descendre ces Stuka! Mitrailleuse dans la gorge! Merde! Tout le monde à terre! On doit détruire ces mitrailleuses! Je veux que des équipes les contournent par la gauche et la droite! Allez! Allez! Un pompier mûr dans le boucher! Vous arrêtez pas! Maintenez la pression! Fumigène lancée! L'ennemi fait mouvement! Contact à 12 heures! Ils arrivent! Ils décident de nous blinder! Tu dois les abattre!
À 3 heures. À 10 heures en altitude. À 1 heure en altitude. 200 lettres, Agnès. C'était le dernier. Bon boulot, Daniels. Hé, c'est Pérez. Hé, Pérez. Ça va? Ils ont eu mon pote Mills dans l'embuscade. Mais on leur a rendu la monnaie de leurs pièces. Il y a des îlots de résistance fortifiés avec des packs 38 devant nous. Va falloir faire le ménage. Très bien. Pearson, traversez le verger avec une équipe de tir et trouvez une position de soutien. Une fois que vous aurez préparé le terrain, je mènerai l'assaut principal avec Pérez. Bien compris. Daniels, Sussman, avec moi. Allez. Pérez, Cosette, pack 38. C'est quoi ces engins? Des canons allemands. Tueurs de chars. T'as pas lu le briefing? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse contre les tueurs de chars? Je me pose la même question. C'est l'un des nôtres. Un P-47. Oh merde! Si seulement j'avais pris ce canon de DCA avant! Tu peux pas t'en vouloir. Ce sont des civils. C'est un crime de guerre. Sans blague. Oublie pas qu'on affronte les nazis. Par ici, on tient notre poste d'observation. Vas-y, sortez, jumelles. Voilà Pérez et ses gars. On fonce droit dans la gueule du loup. On doit dégommer les servants de ces packs. Feu à volonté, tout le monde! Les deux packs en visuel. Daniel, élimine les servants. Lance fusil de précision, Daniel. Jesus!
Direction au sud-est. Nilsson, cessez le feu. Ah, à terre. À terre. Allez, plus vite que ça. Ennemi localisé. Lieutenant. Un instant. Voilà le commandant. Ok, écoutez. La compagnie Charlie s'est fait attaquer près de l'église. Il nous faut des renforts et des munitions. Envoyez une escouade sur le champ. Chef, nos moyens sont limités. Trouvez-en un quand même. Oui, chef. Merde. On peut prendre les jeeps, mais on va avoir besoin de l'aide des blindés. Bon, voilà le plan. Pérez, Pearson te suivra avec l'escouade. Impossible! Les nouveaux ordres de Collins, on part vers l'ouest avec la 11e. C'est pas vrai. Ces gars n'ont plus beaucoup de temps. Y a que vous. Prenez ces jeeps et en route. Allez! Très bien, on y va! La compagnie Charlie est dans la mouise, il faut qu'on aille l'aider. Allez! Comment on va, Marigny? Village. Y'a un gros virage qui arrive, vas-y volant. La route fait une bourre. Ouvre l'œil, les branches se remplissent dans le coin. Faut tomber vite sur la compagnie Charlie. Faut qu'on arrive là-bas les premiers. Vire à gauche. Arrêtez de se voir comme ça. Faites pas dans la sensiblerie, Murphy. Merci de nous avoir sauvés. Remerciez donc le commandant Davis. Ok. C'est trop tard pour repartir. Vous avez gagné un sursis, les gars. Pardon, sergent. Ouais. La moitié de la Wehrmacht est derrière ces bâtiments. Faudrait pas trouver un meilleur endroit pour bivouaquer? Bien sûr, soldat. Réserve-nous une chambre au Ritz. Chef. Il a peur, c'est tout. Occupe-toi de tes problèmes à toi. À savoir comment tu vas tenir le coup. Vous en faites pas pour moi, sergent. Daniels, tiens-le à l'œil. L'orgueil est plus dangereux que n'importe quel ennemi. Dormez, les gars. On attaquera Marigny à la première heure. 26 juillet. Nous sommes cachés dans une ferme à l'extérieur de Marigny. Je ferme les yeux et je pense à Hazel. Mais je finis par faire encore le même rêve. Ouais, tire-lui dessus ! Toujours le même cauchemar. Plus ou moins, ouais.
J'arrive pas à m'en défaire. Ça va. Repose-toi. Non. Faut que je montre à Pearson que je suis prêt. Je me fous de ce qu'il peut dire. Toi, t'as rien à prouver à personne. Ouais, mais tu sais quoi, j'en ai marre qu'ils s'en prennent à moi. Chez moi, quand t'as un problème à régler, t'y vas pas par quatre chemins. Et c'est comme ça que tu te fais respecter. Ouais, je comprends bien. Tu peux me croire. Un homme doit savoir mener ses propres batailles. Mais le respect va pas te servir si tu te fais buter. En tout cas, je te remercie pour le coup de main. Et puis, ce bon vieux Saint-Michel veille sur nous. Alors crois-moi, il peut rien nous arriver de mal. Je savais pas que tu croyais à ce genre de truc. Ah, tu sais, moi je prends tout ce qui peut aider. Bon, tu vas me le raconter, ce rêve? Ou pas? Des loups s'attaquaient au bétail. Moi et mon grand frère Paul étions partis les chasser quand c'est arrivé. Arrêtez-le dessus! J'essaye! J'essaye! Tu vas bien? Je suis désolé, Paul. Écoute bien, frérot. C'est normal d'avoir peur. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais laisser tomber Paul. Mais maintenant, ce n'est plus lui que je dois satisfaire. C'est Pearson. À couvert ! Vite ! C'est Turner qui mènera la manœuvre sur la place. Notre boulot, ce sera de le couvrir depuis cette église. Pas de question ! Bien ! J'ai une question ! Garde-la, Stiles. Ça te fera un bon point. Allez ! Je crois que je suis son chouchou ! Merde ! Ils me font un tir de couverture sur la gauche ! Les autres contournement par la droite ! Emparez-vous de cette maison ! On y va ! Je coupe ! Ayello ! Elle est où, cette fumigène ? Fumigène ! Avancez en direction de l'église! Merde, y'en a d'autres dans la rue! Approche. Accroche-toi, l'ami! Daniel, je te dois la vie! Merci! Trouve mes vies! D'accord! Il me faut cette trousse de secours! Hop! Ils sont passés où? Ils ont dû fuir en nous entendant arriver. Les poches ont laissé de l'équipement. Ravitaillez-vous avant qu'on aille voir dans le clocher. Eh, hey, Zeus, pourquoi les Juifs vont pas l'église? Oh, bah, la synagogue. Merde! Mitrailleuse au premier étage! À couvert! Poche! Descendez!
Canon. Je me dirige vers la porte. Gauche à battre, nos chasseurs. Sussman, Ayello, à l'assaut de ces canons. Oui, sergent. Daniels, Stiles, vous les protégerez du clocher avec moi. Content de te savoir là-haut. Fais de ton mieux. Ne fais pas, je te couvre. T'as intérêt. Tout le monde à l'escalier, allez. Que personne n'a le vertige. Ça changerait quelque chose ? Non ! Suis Sussman, tiens-toi prêt ! Bon, ils sont en mouvement ! Couvre-les pour qu'ils puissent détruire ces canons anti-aériens ! Moi, je prends de la voiture qui brûle ! Bien joué ! Élimine les Allemands qui empêchent Sussman d'atteindre les canons. Corps d'élite dans le bâtiment. Viens. Allemands sur flanc gauche. Il reste un canon anti-aérien dans la cour. Il n'y a aucun servant, mais ouvrez l'œil. Ennemi abattu. Ouais. Ils ont réussi. Nos gars sont coincés! Vise leur tourelle! Un point! Tire deux! Je les tire! Dieu! Je suis là! Approche-toi! Attention! Écartez-vous! Sortez de là! Vite! Soldats, on doit se ressaisir et détruire ces maudits canons. Allez,
Je vois pas Jusman! Bordel! Ils étaient ensemble quand tout s'est effondré! La meilleure chose à faire, c'est maintenir cette position! Les vols doivent pas monter ici! C'est des grenades en réserve, c'est fort! En progression au sud! Tenez votre position! Tout droit! Ils ont besoin de tirs de couverture! Tire de suppression! Continuez à tirer! Ce canon est toujours opérationnel! Les Bulges vont tout donner pour prendre la position! Repoussez-les avec ce lance-flamme! Entendu! Fumigène! À droite, Fumigène! Retenez-les jusqu'à ce que le P-47 arrive! Elvire, tiré! Tenez votre position! Là! Les P-47 arrivent! Ça va. Bien joué, les gars. Vous avez vraiment tout donné. Ces fumiers sont en fuite. Ça, c'était du beau boulot, soldats. Ils s'en sont bien tirés, vous trouvez pas, sergent? Peut-être que vous vous trompiez sur eux. On s'économisait, les gars. J'ai été trop coulant, alors. Eh ben, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Si on lui apportait la tête d'Hitler sur un plateau, il se plaindrait quand même. Si on continue de se battre comme aujourd'hui, la guerre sera terminée en moins de deux. C'est pour ça qu'on doit sortir le grand jeu maintenant. D'accord, ça marche. Depuis un mois, nous avons resserré l'étau autour des derniers Boches en fuite en faisant route vers Paris. Mais comme un serpent pris au piège, je suis sûr qu'ils vont encore frapper une dernière fois. Si on veut prendre le dessus, on doit être prêt à tout. Même à travailler avec le SOE. Les forces spéciales britanniques. Il y a un truc qui se prépare. Tu m'étonnes. Même Davis est là. Nous avons reçu des renseignements de la résistance à propos d'un train allemand stationné à Argentan. Transporterait des fusées V2 en prévision d'une attaque sur Paris. Cet arrêt à Argentan nous laisse le temps de positionner notre escouade. Ce train doit être stoppé. Vous avez brillé à Marigny. Pour cette raison, nous vous offrons cette occasion et ce privilège. Merci, mon colonel. Mais on dirait une mission pour plusieurs escouades. Pourquoi vous allez faire équipe avec le SOE? On dirait que vous l'avez bien entamé. Vous en faites pas, lieutenant. On vous en a gardé un peu. Les agents Vivian et Crowley dirigeront les opérations. Ils travaillent avec la résistance depuis des mois et connaissent parfaitement la région. Vous vous en remettrez à eux. On a appris pour Marigny. Beau boulot. Ah, c'est un travail d'équipe. On a fait que notre travail. C'est du bon travail, mais juste une mise en bouche, j'en ai peur. Ce train n'a rien d'ordinaire. C'est un véritable bunker sur rail. Notre agent de liaison avec la résistance Rousseau nous aidera si c'est possible. Mais s'il y a des attaques sur leur réseau, on devra se débrouiller seul. Le destin de Paris est entre vos mains. Ça me rappelle notre parachutage dans le Vercors. La Gestapo en a bien bavé. T'es qu'une vieille nostalgique. Bon, voilà la cible. On dit beaucoup de mal des Boches, mais leurs trains sont à l'heure. C'est le plus gros train que j'ai jamais vu. Et sacrément blindé. C'est un Panzerzug. Ces V2 portent à plus de 300 km. Assez pour atteindre Paris. On doit faire en sorte qu'ils ne puissent pas arriver. Chut, chut, chut. Mouvement ennemi devant nous. Bon, Viviane et moi, on va s'en charger. Turner, ce sera votre signal. Daniels, vu tes exploits avec Jusman à Marigny, tu fourniras un appui-feu. Allez. Ok, go! Baissez-vous tous. Utilise ton silencieux. Éliminez ce tireur d'élite. Utilisez votre couteau, Daniels.
joué, Daniels. Maintenant, l'officier. Quand vous voulez. Descendez cet officier. Superbe tir. Turner, prenez quelques hommes et faites le tour de la maison. Daniels, reste avec Crowley. Allez, avancez. On vous laisse le tireur d'élite, Daniels. Faites gaffe et avancez doucement. Continue à tirer!
l'intérieur du wagon. C'est pas encore fini. Je viens de faire ça. Content qu'on s'en soit tiré. Waouh, ça fera date. J'espère que Styles a des photos. Personne ne nous lâcherait peut-être même pendant 5 toutes minutes. Fais gaffe. Suivez-moi, pour rejoindre votre section. Pardon, mais vous êtes qui, vous? Une amie. Faut se dépêcher. Trousse de secours, dispo. L'escouade n'est pas loin. Je crois bien que ce sont des hommes à vous. Ah, vous avez rencontré Rousseau. Elle est du maquis, résistance française. Elle a tué un Boche qui nous tirait dessus. Vous pourriez au moins essayer de les interroger avant. Ils apporteraient plus d'ennuis qu'autre chose. C'est pas passé loin. Vous avez fait un sacré grabuge. Vous étiez censé stopper le train, mais pas le détruire. Ouais, désolé que tout n'ait pas tourné comme prévu, mais d'un autre côté, on vient d'alerter toutes les garnisons allemandes qui se trouvent dans le secteur. Donc on ferait mieux d'y aller. Allez, en route. Non, pas avant de finir la mission. Vous confirmez, Major? On a besoin que vous dénichiez... J'ignore comment, mais Zus et moi avons survécu à la destruction du train. Assez longtemps pour tomber sur une Française du genre coriace. Une dénommée Rousseau. Elle appartient à la Résistance. Et devine un peu, elle nous a envoyé chercher des documents dans les débris. Elle en avait besoin pour une mission à Paris. Et elle a du boulot pour nous. Août 1944. Ça y est, on y est. Nous allons libérer Paris. La deuxième blindée française et la quatrième d'infanterie américaine arrivent à l'aube. Cela veut dire qu'on va bouger ce soir. Ça fait une semaine qu'on a démoli ce train. On est au beau milieu de Paris et on travaille avec la Résistance. Rousseau et Crollet veulent saboter les structures de l'occupant. Ce qui veut dire frapper l'ennemi en plein cœur. Grâce aux documents qu'on a trouvés dans le train, Rousseau et moi, nous allons nous faire passer pour des nazis pour infiltrer la garnison. Par ici, messieurs. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il n'a pas pu me capturer. Il a pris mes parents, puis mon mari,
Et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. La caserne. Notre contact sur place nous fournira les explosifs. Quand nous aurons fait sauter le portail, ce sera à vous de jouer. Nous comptons sur vous. Ok, les gars. On se prépare. Les Boches vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter. J'ai combattu à ses côtés à Kasrin. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Plus qu'un contrôle. Enfoiré nazi. Le cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons ça encore une fois. Vous êtes Gerda Schneider, attachée militaire. Herr Spiegel des renseignements vous envoie pour organiser l'évacuation de Heinrich der Berlin. Prenez bien le temps d'étudier le dossier. C'est notre seule chance. Recruter notre taupe nous a coûté très cher. Vous devez le retrouver et échanger votre mallette avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les portes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Qui vous envoie ? Herr Spiegel. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere, bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. N'oubliez pas, votre contact s'appelle Fischer. Il porte un uniforme d'officier gris. Quel est le mot de passe ? Verlaine. Bonne chance. Guten Abend. Ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Es gibt ja die Straße. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nicht. Haben Sie schon mal gesehen? Französische Bastarde werden dreist. Zu dreist. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Wer ist diese Frau? Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte alles in Ordnung sein? Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich, der Wachmann in der Empfangshalle, meinte, ich soll diese Treppe nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es?
Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Ich mache eine weitere Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Ich weiß. Ich habe schon seit Wochen nicht mehr durch. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Psst, das würde ich nicht. Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Il faut faire vite. Vous êtes prêt à faire l'échange? Non, il est trop tôt. Et je dois partir en réunion. Les explosifs seront dans une mallette comme la vôtre. Nous ferons l'échange en salle d'opération. Passez devant. Non, il me surveille. Vous devez vous infiltrer dans le bureau d'Heinrich au troisième étage. De là, vous pourrez traverser l'aile nord et éviter les contrôles. On ne doit pas nous voir ensemble. Partez, rendez-vous en salle d'opération. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Now. If you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure, practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the Fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious.
I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. C'est pour mes amis. Ça, c'est pour mon fils. Ça, c'est pour moi. Vive la résistance. Avez-vous vu s'il porte des armes ? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Marty, Wied! In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Dieser Bereich muss besser gesichert werden. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, angeblich. Irgendeine Ahnung mehr für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl sorgen. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde schon überprüft. Fräulein! Ihre Tasche! Sofort! Vous ne me décevez jamais. On a un problème. Ils sont tous en état d'alerte. Ils ont capturé notre contact. Vous avez fait l'échange. Oui, j'ai les explosifs. Alors on change rien. On se retrouve dans la cour, une fois les charges posées. Je dois me faire discrète. Je serai là si vous avez des ennuis. Thank you.
Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüft. Jawohl, ich informiere um die Maintenant, c'est à vous et vos hommes de jouer Daniels. Ils sont en retard. On devrait y aller. Tirez pas avant qu'on ait fait exploser les portes. Soyez prêts. C'est bon, on a le signal. Dans la porte ! Allons-y, les gars. Regardez ! Les Boches vont pas se laisser faire ! Établir nos défenses. Suivez-moi. Sie werden bald angreifen. Encore des Boches à l'intérieur. On doit les éliminer. Bewegung, schnell, schnell. Tenez, prenez ça. Rousseau, lancez un fumigène. Voyez l'entrée et bouclez le bâtiment. Leur renfort arrive bientôt. Très bien, faites-le. Tout nettoyé. Daniels, Jussmann, allez sécuriser le premier étage. On va faire le ménage ici. À terre! Bien joué, Daniels! Ok, c'est bon! Il faut préparer les défenses! Les Allemands seront bientôt là, on les verra arriver d'ici. S'ils s'approchent, on balance des Molotov! La ville tout entière s'est soulevée, on y est presque! Ils balancent des fumigènes dans la rue! Les voilà! Daniel, vise le chauffeur! Tous les autres, attends qu'ils soient à portée! Joli tir! Lance-flamme, dedans! Oui, oui, la blouse! Les snipers dans l'immeuble!
une grenade! Grenade! Il tente une percée pour que tu prennes tes molotovs! Joue devant! Très bon travail, les gars. Très bon travail. On l'a fait. Les forces de De Gaulle entrent dans la ville. On dirait bien qu'on aura du champagne et du caviar, finalement. Hey, Daniel, si tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un pot de GI ? Désolé, l'ami. C'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. La ville lumière. Voilà une bonne raison de faire la fête, hein, Crowley. On peut plus reculer. La France a repris Paris. C'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, Pearson, laissez-les s'amuser. Ah, ça, c'est le rôle de Turner. Octobre. Aix-la-Chapelle. Les Boches la défendent comme des forcenés car c'est la première fois que l'une de leurs villes est envahie par les Alliés. Ce ne sera pas la dernière. On pensait que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer. Maison par maison. Il ne doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Ne pas discuter mes ordres, c'est ça votre seule mission. Hé, hey, remuez-vous un peu. Faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit. Hé, hey, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier ? Le genre qui redoute une rupture ? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniel, c'est pas arrête. Y'a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein ? Bah quoi ? Ça suffit, les conneries ! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Faut croire qu'on a tous nos limites, sans exception. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. On y va ! On y va ! Allez, Daniels ! Daniel ! C'est bon, je suis là ! Baisse la tête ! Merde, on les pile, mais il en arrive toujours plus ! On va pas pouvoir tenir la place bien longtemps ! L'artillerie est en chemin, ils disent être là dans 10 minutes ! C'est pareil que 10 heures ! Lieutenant Turner, il nous faut des pleins d'épices ! Richard, couvre notre couloir ! Couvrez à tous et laissez-moi réfléchir, on bon Dieu ! On a pas le temps pour ça, Jeff ! Bon, Daniel ! Toi et Ayello au téléphone avec Pearson ! Vite ! Allez, c'est parti ! Daniel ! J'y vais !
On est sous le feu! Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous! Bien sûr, mais ça va nous exposer sur le plan! Ok, à ramenez vous. Vos fesses le plus vite possible! Bien compris, on se met en route! Et maniez-vous, c'est pas que nous réduisons en charpie! Terminé! Bon, les gars, direction le Stadttheater, la première section a besoin de nous. Position ennemie inconnue, on bascule en communication par radio et interphone. Radio activée! Abson, coupe par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant! Bien reçu, Perez! Abrams, Poole, restez en position ici avec la seconde section. Couvrez ce flanc jusqu'à notre tour. Bien compris, ça marche, Perez. Restez vigilants et faites gaffe aux fantassins aux fenêtres. Ok, Abson, en route! Rapson, je suis désolé. Allez, nos gars nous attendent. On trappe cette colline. Je répare ce que je peux d'ici. Le théâtre est juste à côté. Détruisez les packs qui visent le théâtre. A été détruit. On se fait écraser.
véhicule ennemi en approche! Détruisez-les! Fantassin et Panzerschreck dans les appartements en face! Ils se retirent! Les lâchez pas! On y est presque! Liquidez les survivants! Rechargement en cours! Un lanceur allemand nous tire dessus! Il est droit devant! Quelqu'un a d'autres cibles en visuel? Je vois rien! Je crois que la voie est libre! On les a tous eus! Villain attaque Woodwide 2-7! La place est nettoyée! Je répète, la place est nettoyée! Merci pour le coup de main! La Woodwide terminée! Bon! Perez va rester en position devant le théâtre pour couvrir notre flanc! Nous, on va pousser en direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route! Ok, c'est parti. Cet hôtel est un bastion nazi depuis des semaines. On doit le prendre si on veut récupérer la ville. Ça serait plus simple si on avait quelques chars avec nous. Perez doit maintenir sa position. Nous allons ouvrir la marche, soldats. Surveillez les fenêtres. Gardez un œil sur ces vitrines. C'est pas normal, c'est trop tranquille. Restez vigilants. Gardez votre calme. Restez à couvert. Mitrailleuse, laissez pas dans la rue! À l'assaut, trouvez un point d'entrée! Ça va dans la rue, restez à couvert! La garde, laissez à voir! Le magasin à droite! Il va sauver la vie! Restez en piège à couvert! Vérifier ta vue, y a pas d'ennemis ici. Il me faut plus de munitions, chef. Les voilà, soldats! Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat? Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement. Il pourrait grouiller de poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation! Daniels, Zussmann, vous ouvrez la voie. On y va! Bahut nous bouche le passage. On va le pousser. Aiello, enlève le frein et prends le volant. Allez! Ouais, figé! Daniels, on a besoin d'un coup de main. Saloperie! Les pneus ont l'air intacts. Il reste de l'essence. La batterie a touché. Il nous faut un véhicule. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Hey, quelle surprise! Ma gueule, les détails. Ok, on y va! Préparez-vous, les gars! Daniels, encore un mur. Perce-moi ça! Mettez les pouces au tapis, d'accord? Reculez! Cousin, du port! On doit nettoyer le hall! Sussman à droite! Aiello à gauche avec moi! Styles, à l'étage avec Pearson! À vos ordres! Bien, Mathieu! Ils sont retranchés dans le palier principal! En bas! Une trailleuse dans l'escalier aussi! Allez-y, prenez les artères! Merde! Ils sont partout! Thank you.
franchissent les étages. À nous de vérifier le sous-sol. Avec moi. Restez groupés. Hey, Styles. J'ai trouvé la cachette parfaite pour toi. Va te faire voir. Fokker, Daniels, à toi la porte. Lumière. Ich will gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat? J'en ai. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Anna! Tout va bien! On vous veut pas de mal. À manger, ma sœur. Pitié, aidez-nous. Non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef, vous devriez venir voir. Ah, c'est parfait. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Sagen Sie. Wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Je parle pas Bosch, ma belle. Ich spreche es falsch Deutsch. Keine Sorge, alles wird gut. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, allez chercher ce camion. Rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. En route. Je me demande ce que tu caches d'autre, Ersus Mann. Foutez-moi la paix. Ah, jamais de la vie, soldat. Jamais de la vie. Je crois qu'on est seul sur ce coup, Daniels. J'en reviens pas que Ersus Mann nous ait pas dit qu'il parlait allemand. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. On a tous quelque chose qui nous fait honte. J'arrive pas à croire qu'on se mette en carte pour une banque de Bosch. Il y avait un gosse. Des vieillards aussi. On peut pas sauver tout le monde. C'est des civils. On les renvoie vers l'arrière. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Là le bahut. Allez. Ok. Et pas en avoir pour bien longtemps. D'accord. On te couvre. Anna? Anna! Hey, où est-ce que vous allez? Meine Schwester, ich muss zurück! Qu'est-ce qu'elle dit là? Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben, elle peut y rester. On doit tirer tout ce monde de là. Allez! Lieutenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu as 2 minutes! Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Scheiße!
Gardez! Et merde! Anna? Hé, hey, t'es là! J'espère qu'elle est pas montée. Hé, hey, petite! Viens, retournons voir ta sœur maintenant. Viens là. Du kannst nicht entkommen. Chut, tout va bien. Wo ist der hin? Er versteckt sich. Den Keller durchsuchen. Bin dabei. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Merde! Kaspar! Nein! Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Tu t'en sors très bien! On y est presque! Ich will eher runter! Tu vas devoir être courageuse une dernière fois! Los, geh raus! Ça va aller! D'où est-ce qu'ils viennent? Pas le choix, faut y aller! Encore un petit effort. Mich um Kaspar kümmern. Die kommen nicht zurück. Okay, ils peuvent se débrouiller. En route. On les escorte à poids, c'est tout. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer les tiens. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. On n'est pas à Catherine, là. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. La rue est dégagée. Hey, tout le monde est là! Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Allez, venez! Fais gaffe! Ils ont tiré sur le camion! Erika! Bitte, Erika, fahr auf! Elle est morte!
Allez-y! Allez! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis les ordres, tout le monde retourne à l'hôtel! On bouge, on bouge, on bouge! Hé, hey, on peut plus rien faire. Après Aix-la-Chapelle, plus rien ne sera pareil. Mais nous avons fini par mettre un pied en Allemagne. Le passage vers le Rhin est ouvert et il n'est pas question de reculer. Pour aucun d'entre nous. Votre mission était de prendre l'hôtel, pas d'évacuer les civils. Qui a dit que c'était une opération de sauvetage? On pensait avoir le temps, mon colonel. Aux dernières nouvelles, c'est Turner qui commande, et pas vous. Vous le laissez prendre les décisions? Non, mon colonel. C'était mes ordres, c'est ma faute. Tout est notre faute. À l'heure actuelle, j'ai mieux à faire que de me demander si deux de mes meilleurs éléments sont capables de suivre les ordres. Nous sommes à la veille de l'une des plus grosses opérations de toute la guerre. Je vous rappelle que ceci est le point d'entrée de notre dernière poussée jusqu'au Rhin. Nous allons devoir raser toute une forêt pour que le convoi puisse passer. Donc à partir de maintenant, vous allez devoir vous surpasser. Alors vous arrêtez les conneries tout de suite et vous allez vous préparer. Ça fait déjà 3 semaines. On rase la forêt de Hürtgen pour que le convoi puisse avancer jusqu'au Rhin. J'aurais mis 3 semaines à lire ta lettre, et j'en suis pas très fier. Si elle te largue, on est là pour toi, mon pote. Au moins, je t'aurais prévenu. Hé, la ferme. Tu le laisses parler. Elle est enceinte. Wow ! Hé ! C'est génial, mon gars ! Incroyable ! Daniels va bientôt être papa. Elle a essayé de me le dire avant, mais je voulais pas l'entendre. Bon, allez. Je dirais pas non à un petit café. Allez, vous autres, laissez-le un peu tranquille. Je veux pas de café, moi. Oh, que si. Je suis désolée d'avoir tardé à te le dire pour le bébé. J'ai essayé le jour de ton départ. Le jour où tu m'as prise en photo. Rassemblement général. Où est Daniels? Davis va parler. Rapplique. J'arrive. Hürtgen est sombre et presque impénétrable. Notre mission, prendre la colline 493. Quiconque la détient, contrôle la vallée. Pour d'autres hommes, la tâche serait insurmontable. Mais notre division se targue d'une noble histoire. Pendant la Grande Guerre, nous avons été les premiers à tenir tête aux Allemands. Les premiers à lancer une contre-offensive. Les premiers à traverser le Rhin. Rien ne nous arrêtait et rien ne nous arrêtera. Lieutenant, quelle est notre devise? Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir d'abord. Je ne vous entends pas. Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir Parfait. D'abord. Parfait. Alors maintenant, préparez-vous. Le devoir d'abord. C'est reparti pour la boucherie. Amen, frérot. On décolle dans 5 minutes. Hé, hey, Daniels, tu pourrais me faire une fleur et apporter sa bouffe à Willis. Il garde le périmètre. Pigé. Merci beaucoup. Il est au poste qui surplombe la vallée. Bonjour, soldat. Bonjour. Avec les compliments du chef. Du premier choix, hein? Merci, l'ami. Ça se présente comment? T'as qu'à voir. Ces canons tirent sans relâche. Ça n'arrête pas. Il paraît que vous partez à l'assaut aujourd'hui. C'est ce qui est prévu. Bonne chance à vous. Merci. Forte. Le pont arrête pas de changer de main. On va les aider à le sécuriser.
Le voilà! Davis a rassemblé le plus gros convoi de blindés du monde, ma parole! Si ça, ça colle pas la frousse aux boches, rien n'y fera. Encore un bout de chemin jusqu'au Rhin. C'est pour ça qu'on doit les protéger et faire taire ces canons. Surveillez vos arrières! Vous êtes dans l'usine de la mort ici! Jésus, est-ce que le froid réveille ta vieille blessure? Parce que ma mamie, elle s'est pété la hanche, et chaque hiver... Est-ce que je ressemble à ta mamie? Maintenant que tu le dis... Ouais, embrasse mon cul gelé! Non merci, je préfère celui de mamie. Quel charmant tableau! Tout le monde vers moi! Ah! Comment vous tenez le coup? Ces fumiers arrêtent pas de nous attaquer! La prochaine vague pourrait être n'importe quand! D'accord, première section, on leur file un coup de main! En avant! Reprenez le terrain! Établissez un périmètre défensif! Prenez ces mines! Et mettez en place ces mitrailleuses! Barclay, Cooper, allez jusqu'au pont et prévenez-nous si vous voyez du mouvement! On doit renforcer les défenses! Posez ces mines! Chef, je croyais qu'on devait neutraliser l'artillerie sur la colline 493. On peut pas laisser nos lignes exposées. On rejoindra le point de rassemblement quand on aura sécurisé le pont. Tu vois ces cratères? Je dis que ça va pas être facile. Des boches sortent de la brume! Mettez-vous à couvert! À vos postes de défense, tenez vos positions! À vos postes de tir! Préparez-vous à engager le combat! Ils arrivent! Tenez-vous prêts! Engagez le combat! Ils arrivent! Accroche-toi, l'ami! Blindé ennemi! Panzer, on approche! Panzer! Cherchez des mines, des grenades, tout ce que vous pouvez trouver! Affirmatif! Extra, Daniel! Tu finiras par l'avoir à l'usure! Panzer, hors de combat! Daniels. Première section, ralliement vers moi. Daniels, ramène-toi. On va se séparer en deux équipes. Pearson, vous ferez route vers la colline au nord. Je suivrai la rivière avec une escouade pour vous couvrir. Rassemblement au pied de la colline 493. Alors voyons. Hé, hey, tu fais gaffe à toi. Ouais, hein. Toi aussi. Daniels, j'ai une trousse de... J'espère qu'on va pas regretter de s'être séparés. Si les Boches traversent la rivière, ils risquent de faire échouer la mission. Voilà pourquoi on doit couvrir le flanc de Pearson. On est encore loin du point de rassemblement, chef. On atteindra bientôt la base de la colline 493. On doit juste suivre la rivière. Baissez-vous. Ça va pas être simple de les neutraliser. Prenons les arbres, mais attention à pas vous faire repérer. Patrouille droit devant. À toi de jouer, Daniels. On attend ton signal. Section, on avance! Daniel,
munitions! Je te couvre, soldat! Ah, merde! Merde, c'est un piège! On s'est fait repérer! Venez! Debout, Red. Je te connais mieux que personne, donc je sais que tu peux encore te battre. Tu peux pas abandonner, ni maintenant, ni jamais. Paul ? Les Boches peuvent surgir n'importe quand. Alors relève-toi et montre-moi ce dont t'es capable. J'ai trop peur. J'y arrive pas. Tu le dois, Red. Hazel et ton petit ont besoin de toi. Relève-toi. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. T'es pas du genre à baisser les bras. Moi, je crois en toi, petit frère. Paul. Paul. Rejoins-moi à la maison, petit frère. Briggs. Mon Dieu. Je dois trouver le point de ralliement. Seigneur. Bien compris. Ouvre la porte, je te couvre. Trop délabré pour servir d'ouvrage de défense. Les Boches ont dû l'abandonner. Vous pensez qu'ils vont revenir ? Pas de si tôt, j'espère. Tu vois des gars à nous dehors ? Non, monsieur. J'espère qu'ils ont pu atteindre le point de rassemblement.
Écoute. De l'eau. La rivière doit être tout près. J'espère qu'ils ont pu se mettre à l'abri de l'artillerie. On sera là pour les soutenir, t'en fais pas. Voilà la rivière. Y a plus qu'à la suivre pour rejoindre le point de ralliement. Et réduire au silence ces canons. Tireur isolé. Il est là-haut dans ce bunker. On doit le déloger. Planque-toi. Suis-moi. Baisse-toi. C'est un des nôtres. Vérifie les flancs. Essaie de voir si on peut l'atteindre. On va te mettre à l'abri. Tiens le coup. On va la voir. On doit se dépêcher. Je suis là. Sors-toi de là. On va lui tomber dessus par là. Je vais attirer son attention. Débusque-la. Accroche-toi, l'ami. T'es en sécurité. On aura ce tireur isolé. Il me faut des munitions, chef. Les voilà, soldat. Je te couvre. Il est pas seul. On bouge, suis-moi. En avant. Le point de rassemblement est pas loin. J'espère que nos gars l'ont rejoint sans peine. Tu m'as sauvé la vie. Je te revaudrai ça. Des coups de feu. Nos hommes sont pas loin. Allons-y. Bien compris. On tient la position jusqu'au retour de Pearson et on prendra la colline ensemble. Sauf s'il a contourné le moulin et qu'il y allait seul. Il a pas assez de soldats. Ça ne l'a jamais arrêté. J'ai dit qu'on attendrait. Et c'est ce qu'on va faire. Sans votre respect, chef. Et si Stiles avait raison et que Pearson était devant? C'est à moi de m'en soucier, Daniels.
mes tripes me disent que quelque chose cloche. Si je basais mes décisions sur tes tripes, soldat, on serait encore sur la barge en Normandie. Exactement. Tu sais que la section de Pearson a été anéantie à Kasrin ? On dirait que l'histoire se répète. J'espère pas. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Ah. Bah, j'ai pas les couilles de demander à Turner. Mais j'en connais un qui les a. Toujours pas de nouvelles de Pearson. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais son dossier n'est pas brillant. Si t'étais là, Paul, tu le remettrais à sa place. J'espère que Zussman et Aiello tiendront jusqu'à ce qu'on puisse détruire ces canons ensemble. Demandons une vérification de communication. Vous me recevez ? Chef, si je peux me permettre, on devrait peut-être rejoindre le point de rassemblement. Pas encore. Pearson va arriver. Chef, c'est vrai ce qu'on dit. Les hommes de Pearson sont morts par sa faute dans la passe de Kasrin. Un jour, Daniels, quand tu monteras en grade, tu verras qu'il y a deux façons de commander. Une mauvaise et une très mauvaise. Mais tu te concentres sur tes hommes, car ce sont eux qui font le boulot. Dites ça à Pearson. Le sergent Pearson... prie pour jamais être à sa place. Mon lieutenant ! On vient de recevoir une transmission de Baker. Il donne l'assaut sur la colline 493. Pearson est avec eux. Quoi ? Il a pris nos gars et la deuxième section. Prenez vos armes ! On y va ! Suivez ! Allez ! Allez ! Peut-être que Pearson est resté en bas de la colline ! Mais c'est plus la question, là ! Concentrez-vous d'avancer ! On dirait nos gars ! Daniel ! Tout va bien ? Je vais bien. Et les autres ? Partis à l'assaut avec Pearson. On l'a supplié d'attendre des renforts. Foutu tête de mule ! On reviendra te chercher ! Vite ! Faut les aider ! À couvert ! Content de te revoir, l'ami. Pearson, qu'est-ce qui vous a pris ? J'accomplis ma mission. On a besoin de notre sapeur pour faire sauter cet avant-poste. C'est pas encore fini. Daniel, escorte Parker. Il doit poser une charge explosive sur ce bunker. Oui, sergent. Baisse-toi et vas-y. On avance. Couverture sur cette mitrailleuse. Mitrailleuse contenue. J'attends ton signal. Je bouge. Ne lâchez pas la pression sur cette mitrailleuse! La mitrailleuse tire plus! C'est bon! Fonce! J'avance! Couvre-moi! Je vais faire taire cette mitrailleuse! Les balles arrivent des tranchées! Parker avancera que si tu le couvres! Je peux avancer. Vas-y, Parker. Je fonce.
mitrailleuse! Mitrailleuse sous suppression! C'est bon! J'attends ton signal! J'avance! Mitrailleuse! Charge posée! La charge a explosé trop tôt! Foutu détonateur! Le bunker est neutralisé! On y va! Combien on a perdu d'hommes? On a accompli la mission. Combien? Les ordres étaient de prendre cette colline! Vous auriez dû attendre! On ne pouvait pas! Et nos hommes? On avait des ordres! Je les emmerde, nos foutus ordres! Vous croyez que c'est ce que je voulais? Hein? On n'est que des rouages, Joseph! Si on fait ce qu'on veut, la machine se grippe, mais peut-être que vous l'aviez oublié! Ce sont nos hommes! Nos hommes! Vous l'oubliez, ça? Ces 150 bombardent toujours nos positions! On repart! Il faut en finir! Daniels, les pièces d'artillerie sont droit devant. Ouvre cette porte! Daniels, j'ai des fumigènes et des grenades! Ennemis dans les tranchées! Ça va péter! Yankee Spider! J'en ai besoin maintenant! D'autres ennemis au bunker, droit devant! Il y a encore d'autres canons droit devant! Continuez! J'envoie une grenade! La charge est posée! On a encore de la thermite! Ça suffit pas! Il faudra bien! Personne et moi, on va attirer ces tirs! Daniel, ouvre une charge de thermite à l'arrière! Allez! Je suis là, lieutenant!
Ami. Verfluchten Schweine. Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen Sie denn hier auf unserem amerikanischen... Scheiße! Werner! Enfant ennemi, repliez-vous! Je vais y passer. Laisse-moi ici. Je suis là. Allez. Tenez le coup. Turner. Lieutenant. Vous devez évacuer nos gars. Non, on peut encore y arriver. Vous devez vous replier. Non, c'est pas question qu'on vous laisse ici. Laissez-moi debout, je vais les retenir. Vous devez y aller. Maintenant. Ce fut un honneur. Tous les sacrifices ont un sens. Allez-y. On se replie. Sergent. Allez. On y va. Allez. C'est un ordre. Allez. Partez! Chef, ceci doit vous revenir. Va-t'en. Tu vois, c'est un tout nouveau monde, Daniels. Mon monde. Et je peux vraiment te jurer que je suis pas prêt de me défiler ou de fuir la moindre de mes responsabilités. Je fais de toi mon aide de camp. Tu suivras aveuglément tous mes ordres. Et tu t'assureras que tous ces hommes feront de même. La moindre erreur sera un manquement à ton devoir. Maintenant, hors de ma vue. Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes, en Belgique. Il fait tellement froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul... Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner. Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Yellow. C'est pas le moment, les gars. À Turner. Quel sacré vénard, hein ? Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continuez à me jeter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre ! Du calme ? T'es caporal maintenant, hein ? J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Hey, j'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. U-boat, vieux.
Elles ont l'air neuves. Ouais. Il les a piquées à un auxiliaire. Je le pauvre mort de froid. Et si personne était mon radin sur les réquisitions, j'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien, de toute façon. Il est où le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacrée nouvelle, les gars. Ah ouais. On doit rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Aiello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Aiello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse mouche. Les gars. Hey, regardez, un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous notre sapin. Tu nous as apporté quoi? Des chocolats? Des chaussettes sèches? Merde, des boches sur la colline, à 12 heures! Enrayez! Daniels, bute-les! Cherchez-en d'autres. En voilà un autre. Beau tir, Daniels. Ce poche-là ne rentrera pas. Mais comment ils font pour passer la 88e? Ils devraient aller à la tente de commandement. Davy, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hé, hey, caporal. J'ai une surprise pour toi. Voici Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je... on sait pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer... les boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les autres savent plus où donner de la tête. Quoi est là avec du ravitaillement? Servez-vous! Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au rhum. Ouais, en espérant qu'il reste un peu. Des blindés boches arrivent, ils ont franchi nos lignes. Il y a une radio dans notre ancien PC.
Couvrez-moi! Le temps que je la mette en marche! Ce PC est trop proche de l'ennemi! Hé, hey, c'est caporal maintenant, bordel! Alors agis comme tel! Fais pas nous demander d'y aller avec lui! T'es du couille! Faut pas nous vendre! Ah, si tu le dis! Hé! Hey, j'étais sous-officier! J'ai renoncé à mes galons! Faut qu'on bouge! Et vite! Passez devant! À l'envers! Je vais te mettre mon poing dans la gueule! Hé! Hey, fais ton boulot! Si Mark meurt, on est tous foutus! Soldats ennemis, ils viennent des bois. Il faut atteindre la radio. Aide-moi à prendre la radio. Je la tiens. Près de la lisière des arbres. Ça va me prendre un peu de temps. Retenez-les. Facile à dire pour toi. Protégez Howard. Dagwood White 5, nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Bien reçu, QG. Dès que les bombardiers ne risqueront plus rien. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Suivez-moi ! Éloignons-les. L'infanterie des engins blindés ennemis attaque la 9e division blindée. À vous. Rover Joe! Rover Joe! Ici Dagwood, White 5! Ils sont sur nous! Où est notre appui aérien? En attente, Dagwood, White 5. Avion en route à 50 miles. À vous. On dégage de là, allez! Allez, on doit retourner sur la ligne de front! On se replie! Allez, allez, allez! Attends, c'est pas tout! Les renforts aériens sont en route! Quelqu'un prenne les mitrailleuses. Laissez-moi.
radio marche encore. Affirmatif. Commande une frappe aérienne sur ces chars. Je suis dans la limite de sécurité. Hop là où se dit, les vaches sont à découvert. C'est trop près. Pas ça. J'ai une question, Caporal. Ça fait combien de temps que Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment non plus. Il aura sûrement une médaille pour ça. Il est pas si mal. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant. Daniel s'emmène ses boches, ou presque. Oui, c'est le manque pour le train. Hé, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il n'y a plus que nous, les gars. Pearson a encore un peu plus sombré. J'ai comme l'impression qu'il m'entraîne avec lui. Mais je dois rester fort si je veux que tu sois fier de moi, frérot. Oh, ça pète. Il veut quoi? Oh, ça pète. Tiens. C'est quoi ce sergent? Reculez, sergent! T'as dit quoi, là? Hein? Et ça, ça te plaît, hein? Ça te plaît? Parfait, merci. Salopard. Sergent! Hé! Hey, t'en mêle pas, toi! Ah! Comme ça. Qu'est-ce que tu te caches? Ce salopard nous a caché ça. Donne-moi ça. Ça veut dire quoi, cette merde? Ce sont des ordres pour placer des explosifs sur le pont de Remagen. Le matériel va être chargé sur des camions à 7 km au nord. Si je comprends bien ce document, c'est le dernier pont encore en état pour traverser le Rhin. Oh, bah ça alors, Fritz? Les camions ennemis bourrés d'explosifs passeront bientôt par ici. On peut pas les laisser atteindre le Rhin. Pearson nous a donné l'ordre de bloquer la route avec ses troncs d'arbres. Mais où est Pearson? Sûrement dans une planque avec le détonateur. Et du whisky. Vous savez ce qui peut saouler? L'hypothermie. Pas si tu te remues tout le temps. Styles, t'es dans le groupe de Pearson. Belle chance. Daniel, Sussman, vous m'accompagnez le temps que je pose la dernière charge. Et on attaque les camions. D'accord. Heureusement qu'on a trouvé ces informations, hein. Un pas de plus vers le Rhin. Je sens déjà la puanteur d'Adolphe. On doit d'abord arrêter ces camions. Je m'en occupe. Allez surveiller la route pour repérer les camions. C'est le signal. Les camions arrivent.
Vas-y, sur la route. Howard. Prépare-le pour le voyage. Howard, prends des hommes et dégage la route. Bien sûr, chef. Kyle, viens avec moi. Hein? À 0300. Il faut trouver un endroit surélevé pour couvrir notre assaut et détruire les derniers camions. Hé, hey, fermez-la. Surveillez les patrouilles. On y va. Le bâtiment du radar fera l'affaire. On peut grimper là-haut. Halte au feu! L'escouade de Pearson va bientôt attaquer le portail. On fouille la zone qui cherche des cibles. Les explosifs sont chargés sur ces camions. Regarde à droite! Pearson est près du portail! Personne avance vers les camions!
Allez, suis-moi! Casse-moi à droite! Personne veut qu'on prenne ses tours et qu'on surveille le coin! Les guerres juives s'en tirent rarement. Reste calme, ça va aller. C'était pas loin. Ça va? Jusman est capturé. Désolé pour ton ami, mais on doit s'occuper du dernier camion. Non, 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 tu vas nulle part. Ils ont du Jusman! La victoire avant tout! Je peux pas l'abandonner! Je dois pas perdre ce camion! Ouvertement désobéi. Eh ben envoyez-moi en cour martiale. La désertion, c'est la peine capitale.
Alors peut-être que je devrais nous rendre service à tous. Et mettre fin à tout ça. Sergent ! C'est fini. T'appartiens plus à ma section. Dégagez-le. C'est bon, ça va aller. On va s'occuper de toi. Vraiment, fais tout ce que t'as pu. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Jette die Black. Jette die. Ich cherche die Juifs. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stuckscheißer. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! On est américain. Point barre. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Ça fait 8 semaines que Zussmann s'est fait capturer. Mais j'essaie de garder espoir. Monsieur, dites-moi qui l'ont trouvé. Si seulement, fiston. Pearson ne se souciait pas du tout de lui. Pas plus que de ses hommes à Catherine. Catherine ? Vous avez tout faux, soldat. Pearson a reçu l'ordre de battre en retraite. Mais certains de ses hommes étaient coincés dans cette passe. Il ne pouvait pas se résoudre à partir sans eux. Mais il a fini par perdre encore plus d'hommes en tentant de les sauver. Depuis, il n'est plus le même. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour Pearson. Vous rentrez au pays. Je vais finir en cour martiale, monsieur. L'image de l'armée serait bien ternie. C'est vos punitions, le soldat qui nous a tant fait progresser. Eh oui, les informations que vous avez trouvées sur ce prisonnier nous ont permis de localiser le dernier pont traversant le Rhin. Il se peut que vous receviez l'étoile de bronze. Vous êtes un vrai héros. C'est bon de te revoir, Red. À partir de maintenant, je compte plus te lâcher d'une semelle. Tu m'as bien compris, caporal ? Oui, madame. Est-ce que tout va bien, Red ? On est là pour causer ou pour chasser ? Hein ? Tu devrais être fier de toi. T'as surmonté ta peur, tu t'es défendu.
On ne peut pas demander plus à un homme. C'est la meilleure sensation au monde, pas vrai? Connaître l'enfer et revenir chez soi en véritable héros. Red? Red? Vous êtes un vrai héros. À la vie? À la mort. Mars 1945. Notre mission avec la 9e DB et la 99e est de prendre le pont de Remagen. Si nous traversons, les dernières poches de résistance allemande s'effondreront. Je ne demande qu'à être avec Hazel quand le bébé sera là. Mais je dois convaincre Pearson de me laisser combattre. Je dois retrouver Zeus, il ferait pareil pour moi. Si je ne survis pas, je veux que tu t'occupes d'eux, Paul. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis? Du suicide. Eh, vaut mieux pas entrer. Pearson a picolé. Merci pour l'info. Non, mais tu te fous de moi. J'abandonnerai pas, Zussman. Parles-en à l'aumônier parce que j'accepte que les subalternes qui savent suivre les ordres. Vous ne suiviez pas les ordres quand vous avez refusé d'abandonner ces gars à Catherine. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous le savez. Tu ferais mieux de partir tant que tu peux marcher. Davis m'a dit, ce n'était pas votre faute. Vous ne pensiez qu'à la survie de votre section. Dégage! Dégage! Je bougerai pas! Je t'ai dit de dégager! Nom de Dieu! J'avais pour ordre de me replier. J'avais quelque chose à prouver, j'ai dit à mes hommes que... qu'on arriverait à tenir bon... jusqu'à l'arrivée des renforts, mais... ils sont jamais venus. Jamais. Alors ouais, t'as raison. Les hommes sont morts par ma faute. Va-t'en. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que tes hommes se font tous massacrer. Turner n'aurait jamais baissé les bras Turner comme ça! Turner est mort! Alors que sa mort ne soit pas vaine! Pas de sacrifice trop grand! Tu n'as aucune idée de ce qu'est un sacrifice! Et ça, c'est quoi? Un certificat d'immobilisation signé par Davis. Mon billet retour. J'aurais pu tout avoir. Un accueil de héros. Ma femme dans mes bras. Et même une étoile de bronze. Mais il me reste une dernière mission. Alors t'es vraiment cinglé. Plus que vous pensez. D'accord, c'est bon. Sergent. J'ai dit que c'était bon, bordel. Si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Allez, maintenant, dégage de là. Ah, toute la famille est réunie. Pas encore. Prenons ce pont et sauvons notre camarade. Oui, caporal. Si Zussman est en vie, il est de l'autre côté de ce pont. On doit capturer le pont en premier. Bon, le voilà, le dernier pont encore debout sur le Rhin. Si on passe le Rhin avec le convoi, on sera au cœur de l'Allemagne. Plus rien ne nous arrêtera. Là, c'est sûr, ce sera tout ou rien. C'est le moment de vérité. Bon, avec moi, allez! Il va falloir qu'on sécurise l'entrée du pont. À vos ordres, on
y va. Hé, je me fais pas regretter de t'avoir donné une seconde chance. Vous le regretterez pas. Allons-y. Pour avancer vers le fond. En avant! Sauter le pont, on doit les arrêter. Stiles, au rapport. Ils balancent tout ce qu'ils ont. Faut gagner du temps. On s'occupe des charges. Très bien, je passe devant. Daniels et Stiles protégeront les ingénieurs. Ouais. Allez, on y va. Vous deux, désamorcez les charges sous la structure principale. Les Boches se replient. Restez planqués et ouvrez l'œil. Jouer, Daniels. Warte auf mich. Der Sprengstoff ist noch nicht verdrahtet. Du boulot. On approche. Je comprends pas bien. Hey, Daniel, vous pouvez aider l'artillerie à se diriger. Oh non.
devant. Allez, on s'est déjà devant. Fumigène et tir de suppression, vite! Fumigène envoyé! Rejoins les tranchées, couvre-toi! Il faut récupérer ces canons de TCA! C'est fini. Ça y est. Le pont est à nous. Caporal Howard. Je crois que je vous dois des excuses. Tu me dois beaucoup plus que ça. Allez-y! On vient d'entrer dans l'histoire, les gars. Les premiers à franchir le Rhin. Qu'est-ce que tu regardes, le Fritz? On nous signale des camps de prisonniers dans le coin. Davis nous a ordonné d'attendre l'autorisation avant d'intervenir. Mais tu sais quoi faire des ordres de Davis? Bien compris, sergent. Très bien. Je suis fier qu'on ait tenu la première tête de pont sur le Rhin.
Et maintenant, le convoi va atteindre le cœur de l'Allemagne. Selon certains, la guerre est presque gagnée. Pas pour moi. Pas tant que j'aurai pas trouvé Zus. Nous avons quitté le pont à l'est du théâtre d'opération, et en chemin, nous sommes tombés sur des camps. J'y ai vu les traces d'actes de cruauté, dépassant mon imagination. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais ce que j'ai découvert là-bas. Les survivants ont dit que les autres prisonniers de guerre, notamment Zussmann, avaient été transférés dans un plus petit camp à 3 heures d'ici à l'est. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'ils soient encore en vie. Le dernier. On dirait un camp de travail. Allez. J'ai l'impression que c'est désert. Toujours. Ils étaient là il y a peu. Il y a une baraque là-bas. Daniels, va jeter un œil avec Stiles. Allez, l'eau. Allez. C'était nos gars. Sors ton appareil. Le monde doit savoir maintenant. On les traitait encore plus mal que des animaux. D'après ce que j'ai vu, ils étaient battus, affamés, travaillant jusqu'à l'épuisement. Ici. Les nazis avaient assassiné nos amis de sang-froid, et aucun feu n'aurait pu effacer les traces de leur meurtre. Je crois bien qu'ils ont servi d'exemple. Massacraient les plus faibles, tous ceux qui les ralentissaient. Daniels, par ici. Daniels, faut que tu vois ça. La piste mène au champ, ils ont dû les conduire là-bas. Alors c'est là qu'on va. Je me ferai pas trop d'illusions, Caporal. J'ai fait une promesse à Zussmann. On le retrouvera, mais je peux pas promettre qu'il sera en vie. Sergent, j'ouvre la voie. Zussmann ! Allez ! Prête ! Prête ! Tire-lui dessus ! Et voilà, la boucle est bouclée. Ce que j'ai fait, ce que j'aurais aimé faire. C'est vraiment comme si j'étais né pour vivre ce moment. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Tu es mort entouré de neige. Parce que j'ai échoué. Tu vas pas mourir, mon pote. Pas ici. Pas maintenant. Zussmann !
train de rêver. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai cru qu'ils étaient partis. J'ai cru que j'allais crever seul ici. Bois ça. Doucement. Tu m'as toujours protégé, Paul. Et je m'en rends compte maintenant. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet de tenir dans cet enfer. Et cette chose, c'est un frère d'armes à vos côtés. Lorsque l'histoire vous a appelé, vous avez répondu. Riches et pauvres, vous êtes venus pour défendre la paix et la liberté. Je vous remercie. Et le monde entier vous remercie. Et surtout, quel que soit le chemin que vous emprunterez à l'avenir, n'oubliez pas, vous serez toujours des frères d'armes. Voilà, c'est fini, les gars. Zussman aurait voulu que tu l'aies. T'en auras plus besoin que moi. T'as un gamin, maintenant. Merci, ça fait plaisir. Ah, t'y arriveras. Messieurs. Amérique, ton fils prodigue est de retour. Et toi, ça va aller? Je dois dire au revoir à Zussman. Sergent. Vous rentrez chez vous? Je suis chez moi. Et toi, alors? Tu vas rempiler? Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu le Texas. Prends soin de toi, Pecno. Ouais. Comme mon fils me demandera, je lui dirai que j'ai combattu dans la première. Avec ce salopard de Pearson. Et encore, t'as rien vu. Si jamais tu passes à Chicago, je viendrai. Peut-être que je passerai à l'improviste à Longview avant. Tu seras toujours le bienvenu. Tu sais, quand ils nous ont fait prisonniers, ils ont pas pris seulement notre liberté. Et même quand on était ensemble, on savait qu'on était seuls. À essayer de survivre à tout prix. Et toi, t'aurais pu rentrer au pays en héros. Pourquoi t'es revenu? J'ai vu cette vie. J'aurais pas supporté. À la mort. À la vie. Mon rêve était différent cette nuit. Cette fois, on a pu rentrer, ensemble. Je peux toujours entendre les loups, Paul. Parfois, je peux même les voir. Et tu m'as montré comment les battre. Ceci devrait te revenir. Car le sacrifice que tu as fait m'a appris qu'un héros risque tout pour sauver son frère. Et tu seras toujours les deux pour moi.